Bonjour tout le monde! Coucou tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi. Alors, il est bientôt, même, ouais, il est même passé 15h. Tout simplement, je ne vous ai pas fait de vidéo ce matin puisque ma louloute avait rendez-vous chez le médecin. Et il a fallu que j'attende que le facteur passe. Et je vous avouerai que voilà, j'avais des petites choses à régler, donc j'en ai profité pour les régler. Le facteur est passé, j'ai reçu des envois. Donc, j'ai bien reçu. Oh, c'est super joli. J'ai bien reçu ton envoi, ma belle. Donc, c'est Catherine P. T'as super bien décoré. Là, on a des fleurs. Destination, Nomeka, merci. Là, ici. Voilà, je vous montre. Et je vais vous le lire. Parce que c'est pas évident, suivant le sens où je suis. J'ai quelque chose à te dire. Fait main avec une petite grenouille trop mignonne. Et au dos. Au dos, elle a tamponné et colorisé de très jolis papillons. Allez, je vais ouvrir et on va découvrir tout ça. Alors, tu as scotché le haut. Tu as eu bien raison. Au moins, on est sûr que ça ne s'ouvre pas. Je fais attention à ne pas mettre les coordonnées en vidéo, hein, tant qu'à faire. J'y suis presque. Ça colle au doigt. Et bon, ça vient. Ça y est. J'ai réussi à ouvrir. Tu as protégé, c'est bon, j'ai rien laissé dedans, je mets sur le côté. Tu as protégé avec de la mousse comme ça. C'est top au moins. On est sûr que ce ne soit pas écrasé plus que ça encore. Là. Donc le Nomeka, bah, ils l'ont respecté puisque c'est un papier qu'ils passent dans la machine et qu'après ils collent dessus. Ta carte, elle est là. Alors, sur une enveloppe craft, enfin dans une enveloppe craft. Oh, oh que c'est beau. Oh, c'est très joli. Ah, j'aime beaucoup. Oh, c'est chouette. C'est délire. Regardez, c'est super chouette. Ah, oh, c'est trop beau. L'orchidée, elle est magnifique. On a des petits coussins. C'est écrit « Je veux du rose ». À suivre, trois petits points avec des demi-perles. Et donc là, le coussin se déplace. Ah, j'adore. Et je ne suis pas en faceur, c'est pas facile, mais c'est trop chouette. Ah, j'aime beaucoup. Regarde. Tu regardes bien le coussin? Ah oui. Ah, c'est chouette. Ah, j'adore le choix des couleurs. Tout est magnifique. C'est trop beau. Et c'est super original. Allez, je lis ton petit mot, ma belle. Hein? Oh, ça fait bizarre. T'as l'écriture de quelqu'un qui m'est très proche. TV, tu les fais pareil. Et wow, ça... Non mais c'est génial. Eh ben écoute, je te fais des gros bisous, ma Catherine. Je te remercie infiniment. Et ouais, ce que tu me dis, c'est très joli. En fait, je vais vous quand même vous le résumer parce que ça vaut le coup d'être dit. Bon ben là, alors, ils sont modestes et simples, ça je suis pas d'accord du tout. Hein. Il n'y a rien de modeste, il n'y a rien de simple.
Mais elle espère que voilà, ça pourra aider des femmes et des hommes, parce qu'il y en a quand même hein, des hommes atteints de cette maladie. Ça pourra les aider voilà, à avancer. Et ce travail lui a permis de réfléchir sur cette maladie. Et elle voudrait aider, bah, voilà, en tant que bénévole. Et franchement, je te félicite. C'est super. Et c'est vrai que bah, quand on se consacre aux autres, on ne peut pas oublier notre maladie parce qu'elle est là, elle est présente. Hein, malheureusement, elle sait se rappeler à nous. Mais ça nous permet de penser à autre chose. Donc voilà. Mais en tout cas, des gros bisous, ma belle. Je te remercie infiniment. Oh, t'as trop bien présenté. Oh, c'est trop mignon. Donc, elle les a mis dans du papier de soie rose. Elle a tamponné les petites grenouilles fait main. Elle a mis un petit ruban avec des vagues roses. Ah, oh, c'est trop joli. Allez, je vais venir les sortir par là, du coup, parce que je ne voudrais pas tout défaire. Ah non, bah, attends, tu les as roulés dedans, donc je vais faire glisser comme ça. Voilà. Alors, le premier. Il est super joli. Ah, j'aime beaucoup. Sur une base craft. Donc, son nom, je pense que c'est ton nom sur des réseaux sociaux. C'est 4 étoiles. 4 étoiles. Les angles du bas arrondis, les angles du haut dans une forme très jolie. Petit ruban de satin rose clair. Et regardez comme c'est joli. Donc, follow your dream. Une très jolie découpe avec le ruban qui passe en dessous du sentiment. Elle a remis un sentiment espoir avec un cœur, trois demi-perles roses. C'est super joli. Alors j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais il y a plusieurs envois. Et du coup, je vais peut-être un petit peu moins détailler, que les vidéos soient un petit peu plus courtes. De façon à avoir moins de mal à vous les partager. Parce que là, en ce moment, comme je vous ai dit depuis l'orage, c'est une catastrophe pour envoyer, pour télécharger les vidéos sur YouTube. Et s'il faut, bah, si je vois que ça prend trop de temps, de toute façon, j'arrêterai entre deux envois et je posterai de façon à ce que ça fasse un peu moins long. Je verrai comment je m'organise. Sur une base avec les petites vaguelettes en haut, t'as retamponné ton tampon. Petit ruban d'organza blanc. Le mot espoir. Take your time. Et c'est très joli aussi. Donc, on a le papier décoré dans les roses claires. Tu as rematé avec un rose plus soutenu et tu es venu remater avec un autre papier. Un papier de fond que tu as fait toi-même. Alors, avec quoi, je ne sais pas, mais c'est très joli. Tu es venu mettre une découpe napperon là en dessous. Tu es venu coller des petits hauts de maillot de bain. Alors, les petits hauts de maillot de bain, tu es venu les colorier. Tu en as fait des unis, des plus clairs, des plus foncés, des à pois, des à paillettes. On a vraiment toute une gamme de bleus très jolis. Vous voyez, on a les paillettes là sur celui-là. Il y en a où tu as mis du glossy sur le bleu clair. On a le débardeur où on a et du glossy et de la paillette. Voilà. Et c'est super joli. Des petits strass en haut. Le suivant. Il en faut peu pour être heureux. Ah, c'est rigolo, c'est mignon. Donc, sur une base rose, ton petit tampon. Du ruban d'organza rose. Et là, regardez. C'est super joli. Donc, tu es venu tamponner. Il en faut peu pour être heureux en haut et en bas. Un petit strass en bas. Là, ça fait un peu comme du papier peint. Alors, je pense que. Non, c'est pas du. Non, je sais pas. Ça fait plus de la toile. Mais tu es venu en coller un premier morceau. Tu es venu coller de la dentelle en haut et en bas sous le deuxième tissu. Un demi-napperon et une silhouette de maillot de bain où tu es venu lui mettre un bandeau comme une miss où c'est écrit merci. C'est super joli. Une seule petite pensée positive le matin peut changer la couleur
de toute une journée. C'est très joli aussi comme sentiment. Donc, une base rose clair, ton tampon, petit ruban rose avec l'effet couture blanc sur les côtés. Là, tu es venu, alors on a du vélum. Vélum avec des petits cœurs. Tu es venu tamponner ton sentiment. Tu es venu recoller un cadre où tu as mis des rhinestone aux quatre coins. Ton ruban rose dans le même ruban, donc rose avec la couture blanche des deux côtés. Et tu as tamponné le ruban rose. C'est très joli. Le suivant. Pareil, c'est sympa ça. J'aime beaucoup. Sur une base rose, tu as arrondi les angles du bas. Tu es venu mettre le ruban rose avec l'effet couture blanc. C'est chouette. Regardez. On a un papier décoré rose avec des feuillages noirs, noir et blanc. Tu es venu par-dessus coller du tulle blanc. Tu es venu rajouter un ruban, donc le même qu'en haut, en diagonale. Tu es venu coller le sentiment, le ruban rose, un petit strass en haut. Tu es venu faire le ruban, donc pour octobre rose, en le fixant avec un œillet. Et là, tu es venu rajouter un petit cœur sous le ruban. Et là, on a un très joli petit sac, on a même les poignées. Je vous montre de plus près. Vous voyez, les poignées sont transparentes. Girly girl. C'est super joli. Je ne sais pas où tu as trouvé ce petit sac, mais c'est trop mignon. Le suivant. Ah, je reconnais le papier. Sur une base craft. Donc, ton tampon, les angles arrondis en bas et en haut dans l'autre sens. Ça fait très joli. Tu es venu mettre ton ruban et le nouer. C'est un ruban en satin. Et là, une rose, une femme. Donc, on a le ruban qui fait très bien penser à Octobre Rose. Le sentiment que tu as maté sur du craft. Tu as collé une bande de tulle. Et tu es venu tamponner et détourer des coquelicots avec... Il me semble que c'est des coquelicots. Hein, avec leur feuillage. Et tu les as collés en 3D. Ça fait super joli. Et le papier, c'est le papier du bloc... il est de l'année dernière, celui-là. Dans les teintes de rose, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais c'est un bloc de chez Action. Donc voilà. Là, j'ai sorti les deux qui restaient dans cette pochette. Oh, j'aime beaucoup. Sur une base de bleu, ton tampon, un ruban d'organza rose avec une bordure argentée. Et donc, célébrer ensemble amour, bonheur, le ruban rose, octobre rose. Et octobre rose, pardon. Tu es venu avec des lettres argentées. Écrire le mot rose. Tu es venu tamponner, détourer et coller les sentiments que je vous ai lus sur un fond bleu clair et rose clair. Et tu es venu rajouter 3 demi-perles rose clair. C'est super joli. Le dernier de cette série, donc sur une base rose, tu as arrondi les angles. Ton tampon, petit ruban d'organza rose. Octobre rose. Donc, tu es venu avec un papier. Ah, t'es venu le remater, mais... Oh, c'est chouette. Oh, j'aime bien l'idée. En fait, elle est venue avec un papier pailleté argent. Elle est venue percer des petits trous pour faire le centre de la fleur à divers endroits. Et avec le papier... mince. Vélum dans les teintes de Parme. Elle est venue redécouper comme des fleurs. Ah, mais t'as dû t'amuser à faire ça. Regardez. Ça fait super chouette. J'aime beaucoup l'idée. Tu es venue couper, découper des feuillages ou des fleurs. Donc, dans du violet, du blanc et du rose et même du vélum. Tu es tout venu assembler pour faire un bouquet.
Et à la base du bouquet, tu as mis le ruban rose, une partition de musique et sur laquelle tu as rajouté le tampon Octobre Rose. Ah, mais c'est super original. Ça, je le mets là pour l'instant. On verra après. Deuxième pochon, présenté pareil. Très joliment. Là, il est scotché. Est-ce que je vais arriver à enlever le scotch facilement ou pas? Allez, je vais venir couper le scotch, ça sera peut-être plus simple. Je vais délicatement, tout doucement, pour être sûr de rien couper d'autre que le scotch. Non, ça serait dommage. Oh, qu'il est beau. Oh, j'aime beaucoup. Sur une base craft, les angles arrondis en haut coupés, et eh bien comme je vous ai déjà montré précédemment, le petit ruban d'organza rose avec la bordure argentée. Mot à mot. Because you are the best in the wool world. In the wool world. Donc voilà comment ça se présente. Un papier de fond vraiment magnifique, hein, avec des papillons, des écritures. Il est vraiment superbe. Tu es venu recoller un morceau de ruban organza comme tu as mis en haut. Un petit tag que je vous ai lu. Un morceau, une découpe de napperon rose par en dessous, rose clair. Tu es venu rajouter des fleurs. Une découpe de papillons ici. Et tu es venu rajouter avec une petite cordelette rose. Le logo Octobre Rose avec une petite demi-perle rose. C'est trop joli. Alors, qu'est-ce qui se passe par là? Je regarde s'il n'y a pas d'urgence. Ouais, je sais pas, je verrai plus tard. Allez, je continue. Se battre ensemble, un combat commun. Pluie de pensée, prends soin de toi. Donc sur une base craft, la même forme que précédemment, une demi-pendule, de la cordelette, crème, une petite pince à linge. Et donc là, on a l'autre partie de la pendule. Prends soin de toi sur un papier bordeaux. Tu es revenu remater avec un papier décoré dans les mêmes teintes. Le sentiment que je vous ai lu avec la petite cordelette rose et le... un strass de chaque côté. Et donc là, tu es venu rajouter des feuillages, pluie de pensée, trois petits points et un magnifique tamponnage. C'est super joli. Je vais changer de position. Sur une base, là c'est les bases qu'il y a eu dans des blocs avec les petites vaguelettes en haut. Petit ruban de satin rose, ton tampon. Et là le sentiment Octobre Rose. C'est super joli. Donc tu es venu sur une base violette, rajouter un papier blanc et rose. Une page de livre. Tu es venu tamponner Octobre Rose dans ce sens-là. 10-22, donc octobre 2022. Une magnifique... femme, au poignet, tu lui as mis le ruban Octobre Rose. C'est super joli. J'aime beaucoup. Des petites demi-perles en haut, à droite. Je mets en pause deux petites secondes, j'arrive tout de suite. Là, je m'excuse sincèrement. Allez, on continue. Tu as pris une base blanche, tu as plastifié. Ouais, t'as fixé avec le yeux, avec la plastification. Ok. Je ne savais pas si c'était une pochette ou si c'était plastifié. Donc, c'est la plastification. Tu as tamponné et collé ton tamponnage. Petit ruban. Il est trop joli, ce petit ruban. Regardez. Ah, c'est trop beau. Blanc. Et donc, là, pareil. VIP. Vraiment incroyable et parfait. Il est magnifique avec cette bande de pellicule. La jeune femme avec son appareil photo. Et ton sentiment. C'est trop beau, le petit ruban rose en haut. C'est vraiment magnifique.
Tu as fait de très jolies choses. Le suivant, pareil, il est plastifié. Hello New Day. Ah, c'est un sticker, ça, j'aime beaucoup. Donc, base rose où tu as recouvert de tulle avec un petit ruban en satin rose, ton tampon. Petit ruban de satin rose, de satin. Il est là le satin et là d'organza rose, pardon. Le papier, il est super chouette. On a des chaussures à talons, des petits nœuds, des miroirs. Tout en rose, ça fait très girly. Un petit napperon que tu es venu découper en deux et que tu en as collé un en haut à droite, l'autre en bas à gauche. Des petites fleurs de chez Action. Le ruban rose où tu as mis un œillet et un sticker avec ton sentiment. Le rendu est vraiment top. Le papier de soie, je le mets sur le côté. Là, pareil, j'aime beaucoup. Un papier. Alors, je sais pas. Voilà, vous voyez, le papier glitter. Ça fait comme de la dentelle rose. Un petit nœud rose. Ton tamponnage. Ruban de satin rose. Il est plastifié. Et là, c'est le bloc dans les teintes naturelles qui fait très cocooning. Où on a tout un tas de visages de femmes. Et tu es venu coller des hauts de maillot de bain, tout dans des teintes de rose et de violet. Tu as écrit avec des demi-perles 10-22, donc octobre 2022. Sur le maillot de bain blanc en bas, tu as mis un petit nœud comme ça, là. Il est trop beau ce petit nœud, je ne sais pas où tu l'as trouvé. Rose pailleté. Tu as collé un petit cœur en tissu pailleté rose. Et un tout petit nœud sur le maillot de bain en haut. C'est super joli. Ils sont magnifiques. Le troisième lot. Donc toujours aussi bien présenté. J'y vais délicatement. Il sauve moins bien celui-là. Il a peut-être un petit peu plus serré, mais c'est pas grave, on va y arriver à force de patience. Voilà. Le premier est ici. Octobre rose, ne pas oublier. Save the date. Donc sur une base craft, ton tampon. Les angles arrondis en bas et en haut. Différents, mais très jolis. Ruban d'organza blanc. Là, on a tous les sentiments que je vous ai lus. Donc, octobre rose, ne pas oublier, save the date, 10-2022 sur les pages de l'agenda. Là, on a un petit cahier. On a de la dentelle, du papier. Et ben, c'est le même que le précédent, mais on a des petites touches de glitter. Un bel autre aussi, mais avec la plastification, on ne le voyait pas. Des demi-perles, et tu es venu rajouter un petit peu de... Pearl Drop 3D de chez Action sur les petits éléments ici. C'est vraiment super joli. Ils sont magnifiques. Le suivant. Voir la vie en rose. Donc les bases qu'on a eues chez Action dans un bloc, que nous on n'a jamais eu, mais une copinette m'en a envoyé un et je t'en remercie beaucoup. Ruban de satin rose, ton tamponnage. Et de l'autre côté, c'est super joli, j'aime beaucoup. La positive attitude. Et si on transformait chaque épreuve de la vie en exercice qui nous... Hein, et après, j'arrive pas à lire la suite. Mais c'est super joli, regardez. Donc, la jeune fille avec son appareil photo. Voir la vie en rose. On a un papier rose et un tissu. Non, c'est pas du tissu, ça y est, je sais ce que c'est. J'ai retrouvé, ça me revient. C'est le papier canevas. Tu as tamponné tout un petit texte sur la positive attitude. Et on a un haut de maillot de bain, un shorty et trois demi-perles. Ils sont super, super chouettes. Ah là, j'aime beaucoup aussi. Donc, la même forme sur du craft avec ton tampon et de l'organza crème. Là, je veux du rose. Donc voilà, sur un papier, alors là c'est bien un tissu fleuri, de la dentelle, le nœud rose avec je veux du rose. Tu es venu faire avec une page de livre le petit corset
Et tu lui as fait un petit lassage avec un fil doré. Et 3 demi-perles dorées en bas. Ils sont super chouettes. Je me répète, je sais, mais voilà. Le suivant, Let's Go Octobre Rose. Donc sur une base parme, ton tampon, les angles arrondis. Petit ruban d'organza blanc avec des petits pois blancs. Et donc voilà. On a le papier en dessous qui est fleuri vert avec des petites fleurs violettes. Un ruban violet. De la dentelle blanche, le maillot de bain violet avec une ceinture argentée et un petit bout de ruban assorti au ruban rose, le sentiment Let's Go et des demi-perles. Le petit maillot de bain, il est violet. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je vous le redis. Le suivant, il y a des souvenirs et des petits bouts de vie qui méritent d'être mis en lumière aujourd'hui et demain. Donc, Basscraft, le tampon, petit ruban de satin rose avec un petit cordon argenté. On est sur le papier avec les visages. Tu es venu faire un cadre en mettant une image au centre. Donc, c'est du papier, je viens de le dire, Canva que tu as ancré pour le vieillir. Tu es venu tracer l'effet du cadre. Ton ruban rose et tu as collé dessus en 3D le mot espoir avec un cœur. Voilà, à la place du haut. Ton sentiment que tu as tamponné, tu as mis un petit peu de papier doré et un petit napperon rose et les demi-perles. Sur une base craft, le petit ruban, oh, il est très joli. Petit ruban de coton beige avec un effet lacet au milieu. Octobre rose, donc papier vintage dans les teintes de marron. Une dentelle rose, tu es venu recoller ton sentiment, donc octobre rose qui est rose, sur un morceau de craft. La petite dentelle, elle est super jolie, regardez en bas, on la voit bien. Et tu es venu à l'aide, alors avec la page de livre, tu as fait le petit corset, tu as mis de la dentelle sur le bas ici et je regarde, tu as remis, ça doit être du tissu je pense, sous la dentelle. C'est vraiment très joli. Sur une base noire, ton tampon, de l'organza gris. Avec un tout petit tout fin organza gris pour le nouer ici. La forme, elle est comme ça. Et donc, se battre ensemble, un combat commun. Tu es venu sur un papier un peu à pois, coller un autre papier où on a plein de sentiments. Girls gang, on a rebelle. Tu as mis 3 demi-perles. Tu as écrit avec des strass 10-22, donc octobre 2022. Là, tu es venu faire deux découpes, une dans le même papier et une dans un papier rose. Voilà. Un système de napperon. Tu es venu faire une enveloppe avec du papier pailleté. Il est rose. Mais ce n'est pas un rose net, c'est un... Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait un peu vieux rose. Tu as collé deux poupettes à l'intérieur que tu as tamponné et ton sentiment dessus. Et le petit dernier, je mets le papier de soie sur le côté. Ah, j'ai plus qu'il se sauve. Voilà. Donc sur une base blanche, ton tampon, de l'organza gris. Voir la vie en rose. Donc tu as maté avec un papier rose et blanc. Tu as collé trois petites fleurs sur le ruban que tu as fait descendre jusqu'en bas. Ton sentiment en bas avec deux demi-perles. Tu es venu mettre une petite dentelle blanche. On la voit dépasser. Tu es venu couper un morceau de cadre et tu as collé un petit die-cut où on a trois femmes avec un vélo.
Ils sont magnifiques, tes marque-pages. Je te remercie infiniment, ma Catherine. Alors, je vais attraper les petits pochons. Le stylo, je l'ai mis là. Donc, Catherine P. Je vais faire le deuxième parce que là, c'est sûr que ça ne tiendra pas en un seul. Voilà. Et on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'en mets que 10 là. Je fais descendre les rubans comme toujours. Je viens plier et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc 12 et 10, 22. Et ben, je te remercie infiniment, ma Catherine. Et dans ton envoi, tu as rajouté une très jolie enveloppe jaune. Tu as écrit découpe dessus. Et puis encore une carte. Elle est super jolie. Regardez. Donc en jaune, sur une base jaune, avec un papier jaune avec des petits pois plus foncés. Tu es une belle personne, ne l'oublie jamais. Oh, c'est adorable. Oh, ça me touche. Oh, c'est trop beau. Regardez, avec tout le bouquet de feuillage. Ah, c'est trop joli. Dans différents papiers, on a du vélum. On a du papier... pardon. Du papier brillant. On a du papier normal. On a du papier décoré. Ah, c'est trop beau. Je lis ton petit mot. Eh ben, c'est adorable, je te remercie infiniment. Le bien-être commence avec la patience. Je vais vous en montrer deux, trois, parce qu'il en a tellement fait que ne pas oublier. Oh, c'est adorable. Hello. Yep. On a maman, la vie est faite de petits bonheurs. It's your special day. Marque-page. Ah, oh, j'aime bien. C'est sympa. Être sensible. La vie est faite de petits bonheurs. Jolie maman. Oh là là, oh, ils sont chouettes. Oh, regardez. Des octobre roses. Là, oh bah ça j'adore. Des vieilles écritures. Là. C'est l'heure exquise et matinale que rougit un soleil soudain. Je vous le mets pour si vous voulez mettre en pause et le lire. Celui-ci, je vous les lis tous. On y est encore demain. Hein, j'espère que tu m'en voudras pas. Mort, ils sont top. Oh, je te remercie infiniment. Oh, c'est trop joli, ça aussi. Oh là là, carte postale. Oh, celui-là, je l'ai vu. Ah, il me travaille, celui-là. Oh là là, c'est adorable. Retour à l'essentiel. Instant fragile pour se souvenir. Un nuage de tendresse rien que pour toi. Prends rétablissement, prends soin de toi, soigne-toi bien. Plus de pensées, sauter dans les flaques. Ah, ils sont top. Regardez là avec la fleur, ça doit être un coquelicot si je dis pas de bêtises. Oh là, le bonheur est une chance que l'on se donne. Sur des partitions de musique et la pendule juste à côté. Le pouvoir des petits riens.
Les meilleures choses de la vie sont les souvenirs que nous partageons. C'est trop joli. Mais écoute, je te remercie infiniment. Ah, c'est adorable. Écoute, là, honnêtement, hein, je vous l'ai dit, j'ai fini les marque-pages. Mais il y en a que je vais bien mettre de côté pour l'année prochaine. Comme ça, si renouvelle l'opération l'année prochaine, eh ben, j'aurai déjà des sentiments. Je t'en remercie infiniment. C'est trop gentil. Je vais les glisser dans l'enveloppe et puis je leur ferai une petite pochette octobre rose. Merci de tout cœur, ma Catherine. Hop, je décale ta carte qui est magnifique. Et on va venir... Oui, j'ai changé le carton. Et je viens glisser donc tes marque-pages dans le carton. Et de 1 et de 2. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment. On en a combien de temps? 36 minutes. Eh bien, je vais arrêter. Ou est-ce que... Ah, je vais faire celui-là. Allez. Je fais celui-là et après, j'arrêterai pour relancer la suite. Donc, j'ai reçu de ma Carole. Carole P. J'ai bien reçu ton envoi. Tes timbres, alors ils l'ont tamponné. C'est très, très léger, mais on le voit, ils sont très jolis. J'aime beaucoup. Allez, je viens ouvrir. Mais vous avez toutes mes du scotch aujourd'hui. Attends. Là. Il y a des fois, il y en a une qui scotche, des fois pas. Et puis là, vous voyez, c'est la deuxième que j'ouvre, la deuxième qui a du scotch. Mais au moins, ça se sauve pas. Je sais que je mets toujours du scotch, moi. Les trois quarts du temps, au moins, je mets du scotch. Alors, je sors tout de l'enveloppe. L'enveloppe est vide. Je peux poser. Oh là là, qu'ils sont jolis. Ah, j'aime beaucoup. Oh, et ta carte, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, sur une base grise métallisée, gris clair métallisé. Oh, c'est magnifique. Et c'est moi qui vous remercie. Regardez comme c'est beau. Donc, elle a tamponné le sentiment « merci » au centre. Et elle est venue coller plein de petits papillons. Des petites gouttes d'eau. T'es venue faire des taches qui sont magnifiques. Oh, c'est trop beau. Et t'es venue mettre une petite cordelette argentée en cercle avec les papillons. Mais c'est trop, trop beau. Ah, oh, j'adore. Je lis ton petit mot. T'inquiète pas. Ah bah écoute, ma Carole, je te remercie infiniment. Ah bah, il n'y a pas de souci. Attends, je vais décaler. Je vais poser là, voilà. Et je te place là. Il n'y a pas de souci, c'est moi qui te remercie. Tes marque-pages sont magnifiques. Donc, tu as écrit Octobre Rose 2022. Un papier vieux rose avec des... Ça fait des petits flocons, on dirait. C'est super joli. Petit ruban d'organza rose, les angles arrondis. Alors là, j'aime beaucoup. Be happy. Donc, le même papier devant. Elle est venue mater avec un rectangle uni dans le même rose. Une silhouette d'un saxophoniste appuyé à un lampadaire. Oh, c'est trop beau. Le petit sentiment stickers. Et c'est une attache parisienne de la même teinte qui tient l'organza. Oh, c'est magnifique. Le suivant. On est dans les teintes de orange. Ruban de satin orange. Donc toujours octobre rose. Et la Just Another Day. Alors, je m'excuse pour mon anglais. Hein. Vous êtes habitués maintenant. Donc le même papier que le dos. Tu es venu remater avec un rectangle où tu as arrondi les angles également, fleuri de rose. Ton petit sticker sentiment. Alors, je ne sais pas où tu as trouvé ces stickers, mais ils sont bien. Et alors là, le die cut, il est juste magnifique. On a un oiseau sur une branche avec des fleurs. Il est tout embossé, tout glitteré, avec des paillettes. Il est trop, trop beau. Ah, c'est magnifique.
Le suivant, relax. Donc, sur une base grise claire. Le petit ruban rose avec un petit peu de métallique gris. C'est trop joli. Le ruban, il est super beau. Et alors, le marque-page est juste superbe aussi. Donc, pareil, la même teinte que derrière. Tu es venu mater avec eh bien, le même papier que celui-ci, que le premier, dans les teintes de vieux rose. Et tu es venu découper en deux temps. Tu as découpé dans du blanc et dans du gris. Tu as positionné le blanc en premier et tu as à peine décalé le gris, ce qui fait que ça donne un petit effet de... Vous voyez, de profil. Ça fait super joli. Le petit oiseau blanc et gris. Tu lui as fait son œil. Non, mais c'est le papier du dos. Mais l'œil est rose. Donc, ça ressort super joli. Les teintes vont super bien ensemble. La petite cabane où tu es venu lui faire son petit toit en blanc. Et le nœud qui tient la cabane à une branche. Et le sentiment en bas relax. Ils sont vraiment très, très, très jolis. Base rose. Le octobre rose. Petit ruban de satin rose. Ça y est, je vais commencer à redire des bêtises. You are loved. Alors là, c'est magnifique aussi. On a un superbe papier avec une fée, des fleurs, des papillons. C'est trop joli. Et le sentiment est en vélum. C'est trop, 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 trop beau. Alors, tel que tu l'as collé, on ne voit même pas tes points de colle. Alors, je ne sais pas ce que tu as utilisé. J'aimerais bien savoir. Je te poserai la question, tiens. Ou si tu as la vidéo avant que j'ai le temps de t'envoyer un message, n'hésite pas à m'envoyer un message pour me dire, s'il te plaît. Ah, j'ai un appel. Ben, je rappellerai après. Base rose, toujours la même teinte. Le petit ruban de satin rose. Et là, pareil. Alors, tu es venu faire ton petit nœud représentatif d'octobre rose. Tu l'as tenu par une attache parisienne. Ton papier, c'est le même principe avec la fée. Tu es venu rajouter des petits papillons. Et just relax, ok, en vélum. Ils sont magnifiques. Le suivant. Think Happy Tugs. Ah, mon anglais, il est pourri, là. Je suis désolée. De toute façon, je vais vous le montrer, vous verrez. Base rose, ruban de satin rose. Je vous le mets, vous puissiez le lire vous-même. Hein. Regardez-moi ça, comme c'est trop mignon. Petit papier avec rose, avec des papillons rose et orange. Tu es venu recouper un petit papillon rose que tu as remis en 3D. Une petite poupette en train de jardiner avec eh bien, tout ce qu'il faut. Il y a le petit sachet de graines et la... la petite barquette, la petite jardinière avec des herbes aromatiques. Je suppose que c'est des herbes aromatiques ou je ne sais quoi. C'est super joli. Le suivant, vieux rose, petit ruban blanc avec l'effet couture argenté. Be brave, be happy. Ils sont superbes. Donc, tu es venu mater avec un papier blanc. Et des petits ronds de la même teinte. Tu es venu découper une fleur dans du papier rose et tu l'as recouvert avec une fleur en blanc ajourée. Et des petits cœurs holographiques. Ah, ils sont superbes. Le suivant. Base rose, ruban de satin rose. Time to relax. J'aime beaucoup. Donc, un papier à petit cœur noir, blanc et or. Tu es venu rajouter deux cœurs. Ton sentiment, tu es venu le remater sur un papier rose. Et tu as collé un sticker d'une jeune fille qui est très zen. Et qui est très jolie en plus. Le suivant. Flower Love. Très joli. Le papier, il est magnifique. Il est métallique dans les teintes de Bordeaux. Bordeaux presque vieux rose. On a le ruban de satin qui lui est vieux rose. Donc ouais, je dirais plus sur le vieux rose. Ah, c'est trop beau. Regardez.
Tu es venu mater avec un papier fleuri où on a un effet glitter. Tu es venu rajouter un stickers fleur, deux stickers cœur, un stickers papillon, pas stickers die cut, pardon. Cœur, fleur et papillon. Et ton sentiment flower love. Moment plaisir. Base grise. En haut, on a déjà un petit peu de rose clair. Petit organza gris. Et donc là, il est trop beau. Donc, gris et rose clair. On a une magnifique découpe de rose ou de fleurs. Tu es venu rajouter trois petits sequins argentés. Et ton sentiment. Ils sont super chouettes, tes marque-pages. Une base rose clair avec un petit tout fin ruban de satin rose. Donc papier décoré fleuri rose et blanc. Et tu es venu rajouter des die cuts. Tu as mis une jeune fille en train de sentir une fleur. Et tu as mis des fleurs à ses pieds et en haut à droite. Sur un papier rose rayé de blanc. Petit ruban de satin rose. Une forme très jolie. J'aime beaucoup la forme. Et donc là, tu es venu. Donc le même papier de l'autre côté. Et tu es venu rajouter des die cuts. Donc die cut fleur, die cut papillon en haut et en bas. Très jolie base en niveau forme. La couleur rose clair. Là, c'est le petit ruban que je vous ai montré tout à l'heure qui est très joli. Hop là, je vais y arriver. Voilà. Il a du rose et du argenté. Relax, dream, enjoy. Et donc là, tu es venu découper sur du gris. On a des branchages et des oiseaux. Tu es venu mettre un morceau de croquet rose. Et ton sentiment. Ils sont franchement superbes. Alors, je ne sais pas où tu as trouvé ces die cuts, mais ils sont magnifiques. Vibes. Donc, papier fleuri. Petit ruban parme avec les petites croix. Et donc là, on a un papier rose. Papier décoré rose. Tu as rematé avec un papier fleuri où on a du rose et du violet. Et puis, bon, le vert des feuillages. Ton sentiment que tu as collé. Et le die cut. Un magnifique oiseau avec, pareil, tout un tas de fleurs. Et tout en effet glitter. Ils sont magnifiques, ma Carole. Donc pareil, je vais attraper un petit pochon. Yep. Je vais noter ton prénom. Je compte et on met dans le sachet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et ben je te remercie infiniment. Merci du fond du cœur. Je ferme le pochon. J'attrape le carton. Et pareil, je glisse le pochon dans le carton. Et bien écoutez les filles, je vous remercie infiniment du fond du cœur. Là, 49 minutes, je vais arrêter la vidéo. Et je vais en refaire une tout de suite derrière que je vous partagerai dès que la première sera en ligne. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie du fond du cœur et on se retrouve très vite. Gros bisous. Bisous, bisous, je vous aime. Et scrapez bien.